Bonjour à tous! Alors, normalement, vous êtes censé m'entendre. Je fais un premier test. N'hésitez pas à me dire via le chat si vous entendez correctement ou s'il y a un inconfort, quel qu'il soit, ce qui me permettra d'essayer de régler s'il y avait éventuellement un problème. Ok, merci Alexandra. Le son et l'image sont ok, en tout cas de ton côté, c'est déjà pas mal. <laughs> Bonjour à tous en attendant la qualité du son. Je vous salue tous, Sonia, Marjorie, Ludivine, Mathilde, Célia, Aude, Grégory, Marie, Magali, vous êtes, vous êtes bientôt une centaine selon ce que m'indique le logiciel. C'est top de vous retrouver. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Hop, ok, son, ok, vous m'entendez très bien, ça marche pour vous. Nickel, et ben on est bien parti. Pour ceux qui n'auraient éventuellement pas l'habitude, vous avez un chat sur, euh, je pense, votre droite. Hop. Je monte mon bureau. Tac. Vous avez un chat sur votre droite que vous pouvez ben, utiliser pour faire des commentaires, poser des questions. Euh, je rappelle, hein, pour ceux qui euh, seraient pour euh, ce premier webinaire, en tout cas avec moi, toutes les euh, remarques euh, constructives, les critiques constructives sont euh, fort appréciées. Donc euh, on peut ne pas être d'accord euh, tant qu'il y a des éléments d'argumentation euh, pour, euh, pour essayer de, de débattre ou euh, de questionner. Et euh, je n'ai pas la science infuse, donc... Euh, <laughs> Ce pas impossible que je puisse faire des erreurs à des moments. Où je serais ravie euh, de, de mettre en évidence mon erreur le, le cas échéant. Bonjour à tous, il est 15h et je vous propose de commencer. Simplement, est-ce que euh, ceux qui seraient d'accord, pouvez-vous me mettre dans le chat euh, un petit peu si vous êtes professionnel et ou personne concernée et ou euh, proche de personnes concernées et ou si vous vous êtes perdu dans ce webinaire ou simplement un, un intérêt par rapport à ça sans être ni professionnel ni concerné ni proche de personnes concernées pour que je puisse un peu plus savoir euh, comment euh, m'adresser encore plus spécifiquement aux personnes qui sont là en tout cas en direct. Je vous laisse me le dire si vous le souhaitez bien sûr dans le chat un petit peu euh, qui qui vous êtes et euh, dans un deuxième temps. Ce que je veux bien, si vous êtes d'accord, c'est ben, de me donner les, au moins une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse sur, sur, au cours de ce webinaire. Voilà. À quelle question vous aimeriez, ou une ou plusieurs, hein, c'est vous qui savez, à quelle question vous aimeriez vraiment avoir une réponse ou des éléments de réponse à l'issue de ce webinaire. Alors, des pros, des psychologues, des personnes concernées. Euh, des psychologues pain, neuropsy, des stagiaires en orthopédagogie, top. Personnes concernées, professionnelles, psychologues, des étudiants en master, soignantes en psychiatrie, curieux curieuses en général et peut-être concernées, ok. Personnes concernées, sans papier comme dirait Joseph. <laughs> neuropsy, proche psychologue. Ok. Ok. Je représente l'association Un pour tous et tous pour l'autisme. Ok. Bienvenue à tous en tout cas. Merci hein, de, de, de votre présence et de, dans, de votre présence dans le chat. Comme vous le savez peut-être, moi j'apprécie beaucoup l'interaction au travers du chat. Alors, maman. Mm -hmm. Et au niveau des questions, alors comment éviter le burn-out autistique Isabelle qui est conseillère conjugale familiale accompagnant les personnes concernées, co-chercheur, consultant, expert et autiste, comment prévenir le burn-out autistique Effectivement, c'est euh, une partie du, du, du titre de la conf. Je pense que, euh, a priori, vous êtes au bon endroit. Vous me direz juste après. Euh... Alors, je reprends. Hypnothérapeute. Oui, il y aura un replay. Il vous est envoyé automatiquement. Si vous êtes inscrit, et si vous êtes dans le chat, c'est que vous êtes bien inscrit. Donc, vous aurez automatiquement le replay. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas s'il sera sur YouTube. Je n'ai pas réfléchi. Ce n'est pas, pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas encore pensé. On déjà le faire, ce webinaire en direct, ce sera pas mal. Euh, savoir mieux détecter les signes précurseurs du burn-out. OK. Ça marche. OK, donc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et soit je reprendrai votre question ou votre commentaire au cours de la, de, de la conf ou alors à la fin. Et si c'est à la fin, n'hésitez pas à recopier-coller votre question dans le chat si vous n'avez pas encore d'éléments de réponse. Euh, ça m'évitera aussi de remonter sur tout le chat pendant une heure qui a découlé. Donc n'hésitez pas à copier-coller votre question, votre questionnement à la fin sur le temps de, de questions-réponses. OK, allez, on se lance. 15h05, on est bien. Hop. Je m'organise. Voilà. Alors, on va parler spécifiquement euh, de cette question de l'autisme, trouble du spectre de l'autisme. On va être encore plus spécifique car on va parler de l'autisme en ce qui concerne euh, les personnes avec autisme sans déficience intellectuelle, c'est-à-dire qu'on va parler des personnes avec autisme qui ont un fonctionnement intellectuel. Dans la norme et des personnes avec autisme qui ont un fonctionnement intellectuel euh, au potentiel intellectuel ou alors des zones de haut potentiel intellectuel. Donc, spécifiquement, on va s'intéresser à ce, ce type de fonctionnement et encore plus précis parce qu'on va parler euh, quasi exclusivement des filles et des femmes. Voilà. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui. Il y a de nombreuses filles qui cachent euh, leur autisme, ce qui fait que ces personnes vont échapper parfois au diagnostic jusqu'à l'âge adulte. Et tous ces efforts peut, euh, qui peuvent aider socialement et professionnellement ces femmes, ces filles euh, avec autisme, peuvent aussi causer de graves, graves dommages. On va en parler tout au long de ce webinaire. Pour débuter, pour introduire euh, ce, ce webinaire du TSA et du burn-out, notamment chez les filles et les femmes, je vais vous proposer la lecture d'un écrit, d'une partie d'un écrit, d'une personne justement concernée par l'autisme, par à un moment donné de sa vie, le burn-out ou la dépression autistique. Et vous verrez, je vais vous montrer le programme juste après. Donc, Molly, qui nous explique, c'est une partie de son témoignage, j'ai appris à cacher mon autisme en public. Même avant d'être diagnostiquée. En fait, l'une des raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps pour me diagnostiquer était qu'à l'école, au moins jusqu'au collège, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais capable de me camoufler extrêmement bien. Je pouvais passer une journée entière sans afficher un comportement autiste ou différent. Là, je vous rapporte texto ce que la personne explique. Hein. Je n'ai pas reformulé outre la traduction vers français-anglais. Et Molly ajoute, j'ai appris euh, euh, tac, tac ici. La maison était une autre histoire. Au moment où je rentrais de l'école, j'étais épuisée physiquement et mentalement, à force de me masquer toute la journée, garder à l'esprit que je n'étais pas capable de verbaliser ces sentiments quand j'étais enfant. J'avais des effondrements pardon, intenses qui ont affecté toute ma famille très négativement. Mais à la maison, c'était le seul endroit où je me sentais suffisamment en sécurité pour démasquer et laisser sortir toutes les émotions et les sentiments que j'avais refoulés pendant la journée. Jusqu'à très récemment, je m'obligeais à me masquer complètement en public et même... Peu à, un peu à peu, à la maison, s'il y avait des gens autour de moi. J'ai refusé, refusé de stimuler et j'ai été très gênée. Stimuler, j'ai mal traduit, c'est euh, finalement, là, là, elle parle de euh, des stéréotypiques qu'elle pouvait faire. J'ai été très gênée d'être surprise en train de le faire. Une fois dans le monde, mon objectif était d'avoir l'air neurotypique. J'en suis arrivée au point où j'avais une crise de panique. Si je disais la mauvaise chose ou si je faisais la mauvaise expression faciale. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, si vous êtes d'accord, <laughs> c'est euh, ce programme-là. On va aller euh, d'abord chercher à mieux comprendre. C'est, à mon sens, une étape, une étape essentielle. Sur ce sujet-là de burn-out, dépression, ce lien avec l'autisme, et avec le phénotype féminin, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il va falloir qu'on éclaircisse ensemble pour qu'à minima, on parte un peu sur euh, un même pied de connaissance pour ensuite pouvoir en parler de manière précise et spécifique ensemble. Donc, une meilleure compréhension de l'épuisement euh, autistique pourrait conduire à des moyens de mieux reconnaître cet épuisement, ce burn-out, cette dépression, vous verrez qu'après on va préciser ces termes, de soulager. D'accord, ces états, et même de les prévenir, notamment en soulignant les dangers potentiels euh, d'apprendre aux personnes avec autisme à masquer ou à camoufler leurs traits liés à l'autisme, mais aussi en incluant l'éducation à l'épuisement professionnel, par exemple, au travers de programmes de prévention, notamment, ou par exemple du suicide. On va voir que euh, l'importance de comprendre mais quel que soit le domaine finalement, okay. va vraiment permettre aussi de réduire la discrimination, la stigmatisation liée en l'occurrence ici à l'autisme et plus généralement au handicap. Donc vous allez voir que le deuxième temps de, de ce webinaire, ça va être de tendre vers l'agissement. On va parler de pistes pour cette question de la prévention. On va essayer de voir ensemble une grande partie des facteurs de risque de comment est-ce que ces facteurs de risque peuvent aider à prévenir hein, ces problèmes de dépression, de burn-out, et notamment chez les femmes avec TSA, et des pistes pour tenter, pour tendre vers le s'en sortir. On va se demander s'il y a des thérapies fiables, validées scientifiquement. Hein, vous connaissez mon amour pour les choses qui vont être euh, evidence-based practice, hein, basées sur des preuves. Bien sûr, la recherche continue d'avancer, mais en tout cas, aujourd'hui, là où on, où on est la recherche, on questionnera s'il y a des preuves ou pas, plus ou moins, sur l'efficacité de programmes qui ont pu être euh, proposés, si cela vous convient. Je vous laisse dans le chat se mettre si vous avez euh, un inconfort, un questionnement vis-à-vis -vis du programme, et euh, en attendant de voir si vous avez effectivement un commentaire au sujet du programme ou d'un autre aspect du webinaire, je rappelle juste ce petit point de ce qui est la prévalence, parce que je vous en parlais euh, tout à l'heure. Donc, la prévalence, c'est bien une mesure de l'état de santé d'une population dénombrant le nombre de cas de maladie ou de trouble à un instant donné ou sur une période donnée. On calcule le taux de prévalence en, rapport, en rapportant ce nombre à la population considérée pour un trouble ou une maladie donnée. Ok Je vais jeter un œil dans le chat. Hop, hop, hop. Ok. Ludivine qui dit J'aurais pu écrire chacun de ces mots. Ouais. Ok. Prévenir le burn-out sans avoir une oui, dimension qui a validé dans le spectre. Possible utopique. Okay. Quel thème français utiliserez-vous au lieu du burn-out Oui, effectivement, épuisement, Alexandra, je suis assez d'accord avec toi. Épuisement est un bon terme. Vous verrez que j'ai utilisé le mot épuisement ou effondrement. Pardon Alexandre, oui, euh, et je suis assez d'accord avec l'effondrement, épuisement aussi. Euh, ouais. C'est pour ça qu'on qu va prendre un petit peu de temps pour spécifier, pour spécifier ces aspects de, de définition. Alors, Géraldine, pourquoi les antidépresseurs ne semblent avoir aucun effet Je ne vais pas parler des traitements médicamenteux parce que je ne suis pas médecin. Okay en tout cas, pas... enfin, je ne vais pas, pas m'avancer sur ces questions-là. Alors, j'avance le slide. Donc, brièvement, d'accord, sur la question de la définition de l'autisme, ok, je rappelle qu'il y a cette première ère avec des difficultés persistantes. D'accord, marqué par l'absence ou un manque de réciprocité sociale, par exemple, entre euh, ne porter aucune attention à l'autre et ne pas, avoir, ne pas savoir comment amorcer une interaction. D'accord, il y a un monde entre les deux. Il y a plusieurs manifestations d'expression comportementale qui sont possibles. Je le rappelle parce que c'est vraiment important d'avoir en tête, notamment pour les cliniciens, la variabilité euh, de l'expression comportementale des personnes sur le spectre de l'autisme. C'est valable aussi pour d'autres troubles comme le TDAH, par exemple. Donc, il y a aussi des difficultés présentes dans la communication non verbale, par exemple la communication non verbale qui est plus souvent complexe pour une personne avec autisme de comprendre tout ce qui est sous-entendu, intonation utilisée par l'interlocuteur, d'accord, et par exemple d'autres aspects comme le haussement des sourcils, par exemple. De plus, il y a les règles implicites des interactions sociales qui ne sont pas instinctives, qui peuvent être apprises, parfois généralisées, d'accord mais qui, de base, sont plutôt en panne. Les relations sociales qui peuvent ne pas être forcément appropriées par rapport à l'âge de la personne et ce qui est attendu au niveau de la culture et de la société dans laquelle vit la personne. On a aussi, donc, et la deuxième ère, les intérêts qui peuvent être nombreux et très développés, très précis, très spécifiques. Ça s'appelle, selon le DSM, intérêt fixé restreint. On pourra aussi dire des passions qui prennent par contre beaucoup de temps, d'accord Donc qui sont particulières par rapport au, au temps passé, ou qui sont particulières, au sens de l'autisme, par le type euh, de passion, d'intérêt. On remarque aussi souvent chez les personnes avec autisme des activités ou des comportements répétitifs, comme la manipulation d'une certaine manière euh, des objets, okay de mots, faire aligner les objets, les faire tournoyer, des mouvements inhabituels, euh, ça peut être aussi des balancements, par exemple la question des changements, l'immuabilité au changement, qui va pouvoir entraîner en général une détresse importante, qui va être accompagnée de réactions émotionnelles, souvent euh, fort importantes, elles aussi, parfois qualifiées comme étant démesurées. On ajoutera le quatrième aspect de la deuxième ère, qui va être les particularités sensorielles, hypo-hyper et les fascinations. On dit bien « trouble du spectre de l'autisme ». Vous me direz dans les questions, notamment à la fin de la présentation, si c'est quelque chose que vous voulez discuter sur le euh, Je trouve ça bien normal. Si vous êtes ouvert à la discussion à ce sujet-là, il n'y a pas de souci pour moi. On parle bien de trouble euh, quand les signes rapportés ont un retentissement significatif sur la vie de la personne et ou de son entourage. D'accord Le TSA est un trouble du neurodéveloppement. Avec un phénotype très large et qui repose sur une interaction génétique-épigénétique qui est complexe. Le diagnostic de TSA est en général, et au vu de la revue de littérature, hein, je vous mettrai la bibliographie à la fin, euh, le diagnostic de TSA est en général stable au cours de la vie. Okay Par contre, ce qui est remarqué, c'est que ça euh, entraîne un plus grand risque de développer des comorbidités, d'autres troubles associés qui vont se développer. Et ce risque-là est plus élevé que pour une personne qu'on appelle de la population générale, c'est-à-dire qui ne présente pas de trouble. Donc, sur cette question, l'autisme est-il un trouble ce, qui, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est ce qu'il semble que dans notre société, afin de recevoir un financement et une compréhension unique, holistique de la façon dont une personne pense, sent, perçoit, et apprend, dans nos sociétés, il faut euh, avoir un diagnostic euh, d'un trouble euh, qui va se situer dans le bouquin qu'on appelle le DSM-5. Il y a d'autres classifications, mais en tout cas, euh, avoir un diagnostic selon les classifications les plus récentes. Sur le slide que vous voyez là, euh, pour vous rapporter que justement, dans cette classification DSM, au sujet de l'autisme, spécifiquement chez les femmes, on a deux phrases en tout et pour tout dans le DSM. Une qui concerne le ratio homme-femme qui est de 4 pour 1. Et la deuxième phrase au sujet de femmes et autisme, c'est que euh, ça peut refléter, ce, ce ratio-là, peut refléter un sous-diagnostic des femmes, en particulier chez celles qui n'ont pas de handicap intellectuel. Okay Donc, la recherche avance. Le DSM 5 est sorti en 2013. Depuis, il y a eu des papiers ou en tout cas des questions se sont posées. Il y a de plus en plus d'infos à ce sujet. Par contre, pour l'instant, dans le DSM, on verra dans le 6, c'est deux phrases en tout et pour tout au sujet de ce phénotype. La plupart des études n'ont pas différencié les impacts liés au sexe, au genre. Et donc, les présentations comportementales vont être surtout vis-à-vis -vis de ce qu'on a observé chez des garçons et chez des hommes. Et donc, dans l'expression comportementale qualifiée d'étant la plus courante, eh bien, ça ne correspond pas forcément ou de manière insuffisante okay, à euh, l'inclusion des différences liées au phénotype féminin. D'accord, je vous donne un exemple. Les femmes avec autisme affichent souvent des centres d'intérêt qui peuvent être euh, plutôt Habituels pour des femmes ou qui rentrent dans le cadre de ce qu'on peut euh, penser dans des, dans des sociétés patriarcales, hein. par exemple euh, des intérêts pour, le, pour certains aspects de ménage ou pour euh, le lave-vaisselle, ça s'est vu, ou pour les interactions sociales, pour la linguistique, pour euh, le, les amitiés ou pour la psychologie, sont des intérêts qui sont facilement accept acceptables par euh, le monde qui entoure les personnes euh, femmes et filles avec autisme. D'accord? Je vais jeter un œil dans le chat. Pour voir où vous en êtes. Alors. Alors, je ne vais pas pouvoir tout lire forcément tout de suite les questions, mais je reviendrai euh, tout à l'heure. Je vais en prendre quelques-unes, Mathieu. Euh, la recherche Delphi, oui, et on en parle. Euh, on en parle cette semaine, mercredi ou jeudi, je ne me rappelle plus, le 2 mars, je crois. On va justement faire un webinaire de 3 heures euh, cette semaine, je vous redonnerai la date après, sur, euh, enfin, basé surtout sur cette recherche avec la méthode Delphi que j'ai vraiment appréciée, sur les, euh, les recommandations cliniques pour le diagnostic spécifiquement des filles et des femmes avec autisme. Et c'était un très beau papier. Enfin, c'est un très beau papier. OK. Alors. Par ailleurs, dans ces différents sexes-genres, en ce qui concerne les changements euh, développementaux, les jeunes filles diagnostiquées voient plus susceptibles d'avoir, entre guillemets, hein, un meilleur développement cognitif, des symptômes de TSA moins intenses de l'extérieur, hein, visibles de l'extérieur, et une réduction de certains euh, symptômes au fil du temps. Mais attention, et c'est là pour ça que je mettais des guillemets à un meilleur développement euh, socio-cognitif, c'est ça pourrait être clairement dû à la suradaptation. Et la suradaptation n'est pas, comme on le disait dès le début du webinaire, forcément, uniquement une bonne chose pour la santé mentale de la personne concernée. Donc les difficultés de fonctionnement adaptatif, les difficultés, euh, les défis sociaux okay, peuvent apparaître davantage chez les filles et les femmes à l'adolescence. Par exemple, par des difficultés supplémentaires à compenser, des compensations qui ne sont de moins en moins possibles pour un tas de raisons. Et en ce qui concerne le diagnostic en lui-même des filles et des femmes avec autisme, mais c'est aussi valable pour d'autres euh, troubles du neurodéveloppement, d'autres troubles en santé mentale. Pour ce qui concerne les femmes et les filles, c'est les biais généraux d'attente et les stéréotypes de genre qui peuvent entraver la reconnaissance rapide de l'autisme chez les femmes. Et il existe aussi des biais d'interprétation liés au sexe au genre chez les cliniciens notamment quand ils sont peu experts euh, du trouble en question. Les membres de la famille des personnes concernées peuvent aussi être sujets euh, à ces biais d'interprétation et tout ça a pour conséquence malheureusement que les femmes, les filles seraient moins susceptibles de recevoir une aide à laquelle pourtant elles devraient être une aide pourtant légitime à laquelle elles devraient pouvoir accéder. Alors j'ai vu dans la littérature, et je vous la, je vous la montre. Donc ça c'est, je vous la passe, hein, mais c'est une, une slide qui résume un petit peu. Vous aurez le slide hein, qui résume ce que je viens d'énoncer, d'accord Avec les biais, les stéréotypes, les l'expression euh, comportementale, cette variabilité et les groupes de référence euh, qui sont encore actuellement, surtout sur des garçons et des hommes. Et encore et aussi l'aspect euh, sans déficience intellectuelle. Et euh, je voulais vous, vous parler un petit peu de cette étude-là que j'ai trouvée euh, fort, euh, fort jolie en termes de, de méthodologie. C'est une étude qui s'est penchée sur l'expérience des femmes avec TSA qui ont été diagnostiquées tardivement. Excusez-moi, je bois. Les questions qui ont été proposées portaient sur leur diagnostic l'effet de leur genre, leur, de leur vie sociale, leurs intérêts, leur santé mentale. Alors, les entrevues avec ces, ces femmes ont été retranscrites, analysées qualitativement, et ça a permis d'inventorier les thèmes et de les classer par ordre d'importance. Et ce qu'on retrouve, c'est que premièrement, il y a ce fameux qui ressort hein, dans toutes les entrevues, le ⁇ vous n'êtes pas autiste ⁇ Ce fameux ⁇ vous n'êtes pas autiste ⁇ D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite. Il euh, y a le GNCRA qui a proposé cette petite brochure. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Je vous donnerai euh, le lien si vous allez sur le site plus tard du GNCRA. D'accord Vous pouvez la retrouver, hein, elle est téléchargeable gratuitement, imprimable. Euh, Tap à l'érotiste l'autisme par celles et ceux qui le vivent, et donc ça, ça aide en fait à répondre aux personnes qui euh, formuleraient cette euh, cette remarque. Je trouve que c'est euh, assez intéressant. Et vous avez plusieurs phrases hein, qu'on peut entendre régulièrement de la part de n'importe qui dans le sens où les médecins aussi peuvent le sortir. Euh, pourquoi j'ai pas l'air autiste? Voilà. ça donne des éléments de réponse. je vous donnerai le site si vous avez des difficultés à le trouver sans souci. mais donc, ce fameux euh, vous n'êtes pas autiste, euh, c'est un thème qui va inclure les difficultés éprouvées par les femmes autistes liées au fait d'être ignorées, incomprises, les effets d'un diagnostic tardif, les difficultés liées à des problèmes de santé mentale. Vous avez en deuxième le camouflage. Et les femmes qui ont été interviewées déclarent avoir eu recours à l'adoption d'attitudes qui permettent l'inclusion dans les groupes, parfois au moyen de l'alcool, à la reprise euh, d'accent emprunté, par exemple de mimiques ou de tics de langage. Le troisième point dans la hiérarchie, classé par ordre d'importance, hein, c'est l'aspect de la passivité. C'est un autre thème qui est très dominant, c'est l'adoption d'une euh, position passive, non revendicatrice en rapport avec des demandes euh, d'autrui, okay ou des contraintes sociales en général. Et c'est un point spécialement grave euh, dans euh, l'analyse qui a été faite dans ce papier-là, okay c'est l'acceptation des demandes de nature sexuelle qui sont non désirées. Et il y a une stat à ce sujet-là dans ce papier, c'est qu'il y a 9 femmes sur 14, dans les femmes interrogées, qui ont déclaré avoir été victimes de, divers, de diverses formes d'abus sexuels. Le quatrième point qui a été mis en évidence, c'est le décalage par rapport aux stéréotypes de genre. Et les femmes interrogées dans ce, dans ce, dans ce papier, dans cette étude, font l'état d'une incertitude sur ce qu'est l'amitié, sur la part d'exclusivité de... Euh, d'exclusivité que doit avoir une relation amicale ou amoureuse et la place qu'on peut prendre dans ces différents types de relations. Cinquièmement, ce dernier point, c'est l'impact du diagnostic. Et ça, je vais y revenir avec vous là, sur ce, avec ce point 5, c'est que dans ce qui a été analysé dans les réponses des personnes qui ont participé, le diagnostic, lorsqu'il est obtenu par ces personnes, ces filles et ces femmes, en général a pour effet de diminuer le jugement négatif d'autrui et d'accroître les possibilités d'emploi. Il a une valeur, ce diagnostic souvent identitaire, il peut permettre un conseil génétique à viser le cas échéant et un accès à des services s'ils existent. J'ajouterai personnellement que même, même ainsi, même avec ces impacts en général positifs des diagnostics, quand on regarde la littérature, toutes les femmes qui euh, se camouflent, ne disent pas qu'elles auraient voulu connaître leur autisme plus tôt. Et il faut reconnaître que la question est pleine de complexité. Recevoir un diagnostic en santé mentale, en tout cas, je ne connais pas les autres diagnostics, donc je vais parler que, ce que, que de ce que je connais. Recevoir un diagnostic formel à un moment donné aide souvent à mieux se comprendre et à bénéficier d'un soutien plus grand et plus spécifique. Mais certaines personnes et certaines femmes... Disent que cela s'accompagne d'un autre type de fardeau, comme une stigmatisation et des de attentes moindres en, en matière de leur réussite. Okay Donc, à mon sens, il s'agit d'entendre, de, euh, d'accepter, d'implémenter la complexité de la question des avantages et des inconvénients au diagnostic et de la rapporter à la personne concernée et à son propre vécu, ce qui est, à mon sens, le plus important. Alors, on poursuit en étant encore plus dans le vif du sujet. Je vous disais tout à l'heure que euh, l'importance, euh, dans un premier temps, allait être qu'on essaye de, euh, disons, parler de la même chose. Et donc, euh, j'ai eu à cœur de, vous, de reprendre avec vous ces questions de dépression, de burn-out, de burn-out autistique. Parce que quand on regarde la littérature, la dépression, le trouble dépressif, D'accord, et quelque chose dans le DSM5 ou dans l'ICD11, qui est une autre classification, quelque chose de euh, précis. Si avant ça je résume un petit peu ce qu'on a dit, c'est que oui, il semble exister des différences dans la littérature au sujet des manifestations comportementales euh, du TSA chez les filles et les femmes, qui sont probablement liées au à un camouflage efficace, qui ne veut pas dire euh, sans retentissement. Hein, au niveau de langage à la motivation sociale. Par contre, la méconnaissance des signes du TSA notamment par des cliniciens, la variabilité de l'expression comportementale, les stéréotypes des cliniciens et ou des familles vont aussi avoir un impact sur le sous-repérage des filles et des femmes euh, avec suspicion d'autisme. Le nombre de diagnostics chez l'homme est plus important que chez les femmes. Stat à l'appui, et les compétences sociales euh, des, des femmes semblent agir comme un facteur de protection, un petit peu comme un bouclier, ce qui n'enlève toujours pas, d'accord, euh, la difficulté et le retentissement que vivent ces personnes, hein. attention. Les femmes vont, elles, seraient a priori moins susceptibles, d'accord, de se conformer à la vision qu'on a, que la majeure partie des gens, ou que certaines personnes, en tout cas, qu'elles vont rencontrer, ça, ça se conformer à cette vision majoritaire, c'est peu, peut-être un mot un peu trop important, probablement majoritaire de l'autisme dit typique, et les stratégies qu'elles essayent de mettre en place, efficaces ou non, pourraient contribuer à un retard de la consultation. Euh, le fait de présenter davantage de comorbidités psychiatriques comme la dépression, justement, des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire aussi vont euh, contribuer à brouiller les pistes pour les cliniciens. Ce que je, je formule aux personnes qui, sont, qui présentent des comorbidités, par contre, c'est une explication factuelle de la difficulté que des cliniciens peuvent avoir à repérer les filles euh, et les femmes avec l'avancée en âge. En aucun cas, c'est une excuse. Euh, tous les cliniciens devraient se former régulièrement et travailler euh, en équipe avec la personne en premier les femmes et les filles peuvent être victimes du manque de connaissances du coup des prophénels rencontrés et des recherches bien sûr sont toujours en cours sur l'existence de deux phénotypes distincts de TSA. Donc la dépression de manière générale, d'accord, pas spécifiquement à l'autisme, de manière générale va se caractériser par une humeur dépressive qui doit être présente la plupart du temps dans la même journée en plus de l'être quasiment tous les jours pendant une même période d'une durée de deux semaines et qui représente un changement par rapport au fonctionnement antérieur, d'accord Il s'agit de retrouver une humeur dépressive et/ou une perte d'intérêt ou de plaisir, d'accord Pourquoi je vous raconte ça Parce que quand on parle de troubles dépressifs et qu'on veut être précis, il y a euh, ces précisions existent. Okay. On a des statistiques au sujet de la dépression dans l'autisme okay. qui euh, ont fait l'objet de plusieurs papiers. Je vous le redis, hein, je vous mettrai les, euh, les références bibliographiques à la fin et je vous les enverrai euh, par mail pour ceux qui souhaitent, euh, qui souhaitent creuser. Donc, comme vous le voyez, il y a un risque plus élevé de troubles dépressifs que dans la population générale au vu des taux rapportés chez les personnes adultes, et là, hommes-femmes confondus, hein, allant de 18 à 70 Il y a un autre papier qui met en évidence qu'à l'âge de 27 ans, il y a un, presque 20 des personnes avec autisme qui ont reçu un diagnostic de dépression, contre 6 au même âge dans la population générale. Il y a une, encore une autre étude euh, qui montre que le risque de diagnostic de dépression était plus élevé chez les personnes avec TSA sans déficience. Okay. Donc, il y a un certain nombre de de papier à ce sujet-là, au sujet des, des taux euh, de dépression chez les personnes avec autisme. Il y a un autre papier de 2011 euh, qui a étudié la comorbidité chez les jeunes adultes qui ont reçu un, un diagnostic de TSA, qui a mis en évidence que 70%, 70 des adultes avec TSA avaient connu au moins un épisode dépressif et que 50% d'entre eux avaient souffert d'épisodes dépressifs récurrent. Donc on a quand même euh, des statistiques à euh, l'appui qui sont malheureusement euh, assez importantes et qui euh, bah, finalement mettent bien en évidence que les différentes euh, souffrances rapportées euh, sont aussi à retrouver dans la littérature. Alors je vois le temps qui avance. Hop Je vous ai mis dans les slides euh, les critères que vous pourrez retrouver, hein, qui sont trouvables relativement facilement. Je vous les ai remis ici. Je ne vais pas forcément prendre le temps de tous vous les lire pour aller euh, sur les manifestations spécifiques de la dépression euh, chez une personne avec un TSA. Et ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est effectivement des manifestations qui peuvent être euh, différentes chez les personnes avec TSA. Okay. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les personnes avec TSA et dépression auraient tendance à souvent euh, rechercher un traitement psychiatrique ou psychologique davantage pour les changements de comportement qui, a, qui accompagnent le trouble dépressif, okay. que, pour de la, que pour les signes de la dépression en elle-même. Les chercheurs qui ont étudié la dépression chez les enfants avec autisme euh, indiquent que ces gamins se plaignaient souvent plus souvent des changements de comportement, comme l'intensité des intérêts, euh, plutôt que de la tristesse ou de la mauvaise humeur. Donc ça, pour les cliniciens qui sont présents ici, c'est important de l'avoir en tête, parce que pour le repérage euh, d'une dépression chez une personne avec autisme, il y a probablement, voire euh, même très fortement <laughs> probable, que des signes, que d'autres signes spécifiques pour les personnes avec TSA seraient euh, à rechercher. Euh, il y a d'autres études qui montrent que les personnes avec TSA et qui sont déprimées présenteraient souvent de l'irritabilité, une agressivité accrue, y compris des automutilations, un retrait social, des troubles du sommeil et de l'appétit, ce qui correspond aussi aux critères de la dépression, euh, par ailleurs. Pour les cliniciens aussi, c'est important de savoir que souvent, il y a une augmentation des traits de l'autisme, comme les comportements répétitifs. Comme une sensibilité accrue au niveau sensoriel, encore plus que d'habitude, j'entends, des difficultés avec le changement, probablement encore plus que d'habitude. Okay Et les personnes qui ont généralement une, de bonnes ou voire de fortes capacités au niveau verbal peuvent par exemple se retrouver soudainement incapables de parler, dans un mutisme. Vous allez voir dans cette diapo que euh, les manifestations. De la dépression chez les personnes avec TSA sont euh, assez nombreuses. On pourrait euh, passer des heures à les détailler, à les décrypter. Ce serait fort intéressant d'ailleurs, peut-être qu'on le fera un jour. Euh, ce qu'il faut, euh, qu faut, je pense, euh, retenir, c'est que euh, le, le TSA dans son phénotype féminin, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il est généralement associé à une symptomatologie atéunée, at pardon, atténuée. D'accord euh, de meilleures capacités de langage, un comportement moins répétitif et stéréotypé de l'extérieur, encore une fois. Ça ne veut pas dire que la personne vit sa meilleure vie, bien sûr. Dans une étude récente, enfin récente, plus ou moins récente, certains, certaines des caractéristiques qui sont souvent présentes euh, chez les femmes euh, avec autisme et dépression, ça va être euh, ce que j'ai indiqué là sur, euh, sur ce slide. Par exemple, euh, des capacités de langage qui vont euh, diminuer, okay euh, des intérêts euh, perçus comme euh, encore plus bizarres ou des camouflages de difficultés qui sont moins possibles. Okay Donc des variations comme ça, oui, de l'humeur, mais aussi des signes du TSA en lui-même, d'accord, euh, avec la dépression. Et justement, cette question qui, qui, à mon sens, et intéressante à poser. Du coup, en lien, c'est pourquoi avoir intérêt... ça favorise le risque de dépression. Il y a plusieurs éléments dans la littérature. Ce sentiment d'isolement social récurrent, répétitif de rejet de solitude, in... les interactions qui sont vécues comme épuisantes de par l'autisme, d'accord, et qui, bah, au fil du temps, vont favoriser oui. la dépression. Ces propensions à se focaliser sur des erreurs, d'accord, l'anxiété d'anticipation qui peut survenir. Des idées qui peuvent être bien ancrées en lien avec ce qu'on va appeler la flexibilité ou la rigidité mentale, qui va exacerber un petit peu ces, ces idées ancrées et les difficultés avec le changement. Par ailleurs, tout ça accumulé avec la difficulté éprouvée au niveau sensoriel, dans le cadre de l'obtention du diagnostic, okay. et les, ce qu'on appelle la dysrégulation euh, émotionnelle, avec cette sensibilité aux émotions fortes, notamment négatives. D'accord euh, Et des personnes qui vont se qualifier elles-mêmes, pas toutes, hein, mais qui peuvent se qualifier elles-mêmes comme euh, être une éponge euh, à, aux émotions, aux sentiments des autres, sans vraiment comprendre pourquoi. Alors, pour les cliniciens, j'ai mis une petite slide euh, de red flag. Pareil, vous pourrez la reprendre, mais euh, la réduction des comportements euh, répétitifs stéréotypés n'est pas systématiquement une bonne nouvelle. OK De la même manière, le masque. Euh, ça va, la dépression peut être masquée par les signes de l'autisme et du coup éloigner une aide bien spécifique, holistique, qui prend en compte toute la personne pour vers une aide efficace. Alors, là, je vous ai remis cette liste, que je pourrais la remettre en forme plus jolie, mais je vous avez mis tous les facteurs de risque de dépression chez le, les personnes avec TS1, où là, je vous en avais mis que certaines. Et là, vous les avez toutes, donc il y en a un certain nombre. Euh, et puis, j'ai juste ajouté cette slide-là qui me paraissait importante. C'est euh, la dysphorie prémenstruelle. On en parle un petit peu plus actuellement dans le TDAH, mais je pense que c'est intéressant au moins de mettre l'info. On en fait ce on... Enfin, Les personnes concernées en France, ce qu'elles en veulent après. Mais cette question du syndrome prémenstruel euh, pourrait avoir un intérêt dans une compréhension globale de la personne. Notamment et peut-être quand ça va encore moins bien, moins bien que d'habitude, puisque euh, ce syndrome prémenstruel peut vraiment prendre une forme grave, d'accord, euh, et doit être considéré, pris en considération, voire mis en évidence si ça n'a pas été fait, justement pour aider une, un accompagnement, le cas échéant, une prise en charge efficace et qui prend en compte vraiment tous les aspects de la personne, d'accord, parce que le syndrome euh, prémenstruel, il y a dans les formes graves, il y a de la dépression, de l'irritabilité, de l'anxiété et même des pensées suicidaires. Okay. Ce que je vous propose là, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai mis une analyse fonctionnelle pour essayer ensemble un aspect à chaque fois. Bien sûr, hein, je n'ai pas traité tous les aspects, tous les facteurs à chaque fois. C'est difficilement possible d'ailleurs mais en tout cas un aspect et voir un petit peu le, le, le cheminement, le, le décours que, à partir d'un point à gauche, du coup qui, euh, tout le déroulement que ça peut entraîner. Donc si je prends euh, ici, là, motivation et désir de nouer des relations sociales, qui peut être présent chez des femmes avec, et des filles avec autisme, qui va être gênée, malgré toute la motivation du monde, hein, par le peu ou le manque ou le pas ou des compétences sociales d'habilité sociale en panne, qui va possiblement entraîner des échecs dans les différentes tentatives d'interaction. Toutes les répétitions ou la majorité des répétitions des interactions vont être mises en échec. Des échecs pour nouer des relations fructueuses, qui va contribuer à développer, majorer, précipiter dans la dépression. Et là en haut, j'ai ajouté que les rituels ou les compulsions et l'anxiété... Majore le TSA à la dépression qui va venir aussi majorer euh, cette, cette analyse fonctionnelle-là. En dessous, j'ai mis une autre analyse fonctionnelle, un exemple, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde, toutes les personnes avec autisme ont ces, ces fonctionnements-là, hein, c'est très spécifique. Le fait d'avoir conscience de son propre rôle dans une situation sociale ratée, plus la prise en charge de la responsabilité de ce ratage ou d'événements négatifs euh, vécus ou dans lesquels la personne était, euh, était acteur. Peut entraîner une baisse de l'estime de soi, du découragement, qui sont euh, favorables, propices à augmenter le risque de dépression chez les personnes TSA. Bien sûr, hein, pas spécifiquement les femmes, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui on se focalise sur les filles et les femmes. Un autre exemple, euh, tac, on repart de la conscience de son propre rôle dans une situation sociale plutôt ratée et de la charge, enfin de la responsabilité que on prend sur ce ratage, Va favoriser le fait d'être concentré sur soi, faire de l'auto-observation de manière intense, la rumination, qui va augmenter la saillance des aspects de ratage, par exemple, qui va favoriser les cognitions dépressives. Et une autre, par exemple, des ruminations qui vont maintenir ou aggraver l'humeur en augmentant le contenu des pensées négatives, qui vont réduire la possibilité de faire de la résolution de problèmes et favoriser ou entretenir la dépression, avec l'impact spécifique, par exemple, des pensées répétitives dans l'autisme. Et une petite dernière, où, dans certains cas, l'absence de diagnostic ne favorise pas un soutien adapté, entraîne la poursuite ou le maintien, la confrontation au monde, aux brimades, euh, au harcèlement, ce qui va augmenter la vulnérabilité aux troubles comme la dépression, qui peut contribuer aux évitements sociaux, éviter d'aller dans des contextes sociaux, qui va entraîner peut-être la complexité, enfin un diagnostic plus complexe, un tableau clinique plus complexes. Ce sont des exemples, bien sûr. Hein. Toutes les personnes avec autisme euh, n'ont pas ces, ces, ces schémas de fonctionnement. C'est pour essayer d'éclaircir un petit peu ces interactions, ces intrications de l'autisme et du trouble dépressif, d'accord Et pour vraiment rappeler ou informer sur l'importance de prendre euh, en considération la personne dans son entièreté, okay et pas uniquement considérer l'autisme et ses, sa symptomatologie. D'accord Et on, comme je le disais au tout début quand je présentais le programme, vraiment la démarche et l'approche holistique a tout son sens euh, en santé mentale et en tout, probablement dans d'autres disciplines médicales, mais en tout cas en santé mentale, ça me semble très pertinent. Passons maintenant au burn-out euh, autistique. Est-ce que c'est la même chose que le trouble dépressif Qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature Déjà, si on prend uniquement le burn-out, d'accord Spécifique à l'autisme, on retrouve que euh, c'est défini comme un épuisement physique, mental ou émotionnel intense, souvent accompagné d'une perte de compétences, par exemple un mutisme, que certaines personnes avec autisme éprouvent. Et il y a de nombreuses personnes avec autisme qui vont exprimer que ça résulte principalement d'un effet euh, cumulatif. D'accord Si on prend euh, le burn-out tout seul, sans la condition autisme. La HAS a fait un rapport et elle décrit le burn-out comme souffrance psychique au travail, d'accord, et elle ajoute la définition de stress professionnel euh, dans, ses, euh, dans son analyse des choses. La souffrance psychique au travail, qui va être une souffrance, comme vous l'avez compris, en lien avec le travail, qui est du burn-out lié au travail ou à des symptômes. Isolés d'anxiété et de dépression. Ces symptômes ou maladies de burn-out vont être causés, aggravés par le travail. Okay Il y a okay. vraiment cette notion-là qui est, disons, obligatoire quand on parle de burn-out en général. Et par rapport au stress professionnel, la HAS va parler d'un état de déséquilibre entre la perception de la personne, des contraintes de environnementales et des ressources dont elle dispose pour y faire face. D'accord ça c'est la définition du burn-out euh, en général. Mais du coup, est-ce que c'est la même chose quand on parle du burn-out autistique Alors, comme on l'a vu, ce concept de burn-out, enfin, comme on l'a vu, peut-être vu, mais en tout cas, il y a peu d'études, okay, euh, disons solides ou euh, répétitives, qui ont étudié formellement l'épuisement dans l'autisme. Les causes de ce burn-out autistique, ce qu'on retrouve, c'est que ce euh, concept, comme ça a été rappelé dans la littérature, va refléter vraiment ce mouvement croissant euh, d'auto-représentation dans la communauté des personnes avec autisme, qui conduit les chercheurs à se concentrer de plus en plus sur les adultes et leurs expériences intérieures. On va y revenir dans deux slides. Mais en tout cas, ce qui peut causer le burn-out, on a vu, c'est l'épuisement lié euh, aux aspects du boulot, de professionnel, aux stratégies de masquage, de camouflage, et les stratégies dans lesquelles les personnes avec autisme euh, vont par exemple imiter un comportement neurotypique en utilisant des scripts euh, pour des conversations, en se forçant à établir un contact visuel, en supprimant des comportements répétitifs, des stéréotypes. Et toutes ces stratégies peuvent aider les personnes autistes avec autisme dans leur travail et dans leur relation au travail, mais nécessite d'immenses efforts, efforts qui pourraient précipiter dans un trouble dépressif. Il y a vraiment des définitions différentes et des mécanismes différents entre le trouble dépressif, d'accord, au sens DSM5, avec le burn-out qui n'est pas dans le DSM, mais qui est pris en considération, et le burn-out autistique, mais on n'a pas encore fini d'élaborer euh, la définition à ce sujet-là. Donc, euh, dans l'autisme, justement, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que le burn-out autistique n'est pas forcément ou spécifiquement en lien avec le travail. Le travail va plutôt, en tout cas dans moi, ce que j'ai compris, ce que j'en ai compris, va pouvoir être un facteur de risque du burn-out autistique. Mais dans le burn-out autistique, il semble y avoir vraiment un certain nombre de facteurs, j'en ai cité juste avant, ou d'autres qui peuvent être une surstimulation sensorielle, un trajet bruyant en bus des exigences au niveau du fonctionnement, comme d'avoir bah, jongler entre plein de tâches à la fois, le stress associé qui peut survenir, hein, ou des imprévus. Donc on aurait plutôt, de ce que j'ai compris, des facteurs qui vont favoriser un burn-out, spécifiquement pour des personnes avec autisme, mais le burn-out autistique ne serait pas spécifique euh, aux aspects professionnels du travail. Okay. alors je vais revenir sur le chat pour voir ce que vous ce que vous en et en parallèle je vous mets tac des facteurs de risque alors... Alors, euh, je regarde le chat. Bien sûr, hein, sans répondre précisément à certaines questions du, du chat, c'est vraiment cet aspect de ⁇ ça dépend ⁇ Tout est en mode ⁇ ça dépend ⁇ oui, certaines personnes avec autisme vont euh, avoir un impact sur l'estime d'elles-mêmes beaucoup plus fort qu'une autre personne avec autisme. Et surtout, il faut prendre en compte aussi la personne et son vécu, son ressenti pour telle situation bien spécifier la, la situation problématique pour laquelle la personne vient, vient consulter et sans oublier la condition d'autisme qui va modifier certaines façons de penser, de voir les choses, de ressentir ou pas de, des émotions, euh, ou d'attribuer des intentions, par exemple. L'idée, c'est vraiment de se dire, bah là oui, je vous donne ce que retourne la littérature, mais que pour une personne en particulier, ok, il est ultra nécessaire euh, de prendre en compte et de questionner sur des situations spécifiques qui posent problème et pour lesquelles la personne vient consulter, euh, pour la personne elle-même. Et bien sûr, toutes les personnes avec autisme ne répondent pas forcément à tous les critères de manière ultra intense au maximum. Et heureusement, euh, donc il y a toujours cette variabilité qui, avec l'intensité qui varie et aussi du contexte, mais pas que l'autisme. Le vécu, la façon de penser, l'éducation, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et c'est une raison pour laquelle moi je trouve que c'est pour laquelle moi personnellement j'adore mon boulot, mais aussi parce que euh, bah ça, voilà, on est centré sur les personnes quoi? et ça peut être compliqué pour certains cliniciens parce que, bah, c'est pas évident de devoir mettre en œuvre des stratégies pour aider la personne avec la personne différente pour chaque personne euh, avec, euh, avec autisme, Ce que je dis ça, vous pouvez remplacer autisme par euh, TDAH ou par n'importe quel euh, trouble en santé mentale. mon discours sera, sera le même. je pense qu'on va finir euh, après 16 heures. Hein, si vous quittez, bien sûr, c'est logique, vu que j'avais dit que c'était une heure, mais vous aurez bien sûr, je répète, un accès au replay. Désolée, j'ai pris plus de temps que... Je <laughs> n'ai pas été très organisée, très structurée, j'espère que vous ne... ...par rapport à, à ce changement d'horaire. Et si c'est le cas, sachez que vraiment, j'en suis, suis désolée, ce n'est pas, pas mon intention. Si je prends la slide que vous avez sous les yeux, l'épuisement, euh, le burn-out euh, autistique semble être un phénomène vraiment, comme on l'a vu, un hein, distinct du burn-out professionnel euh, de manière générale et de la dépression du trouble dépressif qu'on retrouve dans le DSM. Dans une étude euh, de 2020, les, princi les principales euh, caractéristiques du burn-out autistique étaient l'épuisement chronique, la perte de compétences et une, tolérante, une tolérance réduite aux stimuli. Et les participants de l'étude ont décrit euh, que l'épuisement lié à, au boulot, au travail, euh, produ se produisait en raison de facteurs de stress de la vie qui s'ajoutaient à la charge, à s'accumuler lorsqu'elle euh, subissait différents obstacles et des obstacles au soutien qui créaient qui contribuaient à créer ou un ressenti d'une incapacité à obtenir euh, un soulagement de cette de cette charge et dans cette charge il y a vraiment tous les facteurs qu'on a vus euh, jusqu'à présent On a vu juste avant il repasser dessus, mais les différents euh, facteurs qui, euh, enfin la, la différence entre burn-out et dépression. Je veux juste vous prendre un petit peu de temps sur ce, cette slide, d'accord euh, Justement, je parlais de modèle holistique, d'analyse fonctionnelle au cas par cas. Il peut y avoir, bah, comme on l'a vu avec les schémas précédents, hein, des tendances ou des explications qui pourraient euh, parler à certaines personnes et moins à d'autres. Au niveau du burn-out autistique. On pourrait imaginer euh, un schéma comme celui-là, je vous l'accorde, hein, il pourrait être beaucoup plus précis, mais pour ça, ça doit être personne dépendant, où on aurait des facteurs de stress, d'accord, on les a euh, explicités tout à l'heure, qui, ces facteurs de stress en s'accumulant, euh, vont entraîner un encore plus un faible soutien, encore moins de possibilités de... De, de se récupérer ou de récupérer face à cette charge euh, importante, qui va entraîner euh, des difficultés à soulager cet épuisement, ce stress, à euh, baisser l'impact des facteurs auxquels la personne est confrontée et contribuer à l'épuisement. Oui, ça peut survenir chez des personnes neurotypiques aussi, bien sûr, puisque comme on a vu, le burn-out a aussi sa définition pour la population générale. Par contre, je pense que vous l'avez compris, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas hein, à me poser des questions. Il n'y a aucun souci. Je, je peux répéter si je n'ai pas été assez clair. Il y a vraiment, pourquoi on parle de burn-out autistique Parce que les caractéristiques euh, de l'autisme vont venir, disons, complexifier ces fonctionnements-là, euh, ces, fonctionnements ces schémas-là, et donc complexifier la thérapie, si la personne souhaite en faire une, par exemple, ou l'aide que euh, des professionnels ou des proches peuvent... Euh, peuvent porter, d'accord. Dans l'autisme et du fait des signes de l'autisme, d'accord, ces, ces signes de l'autisme vont, euh, s'ajouter aux facteurs contribuant à précipiter ou à maintenir la personne dans la dépression. Ok. Si je suis pas claire là-dessus, dites-le-moi. Mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect de, bah, dans la vie, là, tout le monde peut avoir un burn-out. Professionnel ou une dépression, il y a des facteurs de risque. Hein. Mais quand il y a une personne avec de l'autisme, déjà il y a encore plus de risques. Okay et dans ce plus de risques, il faut penser à le, les certains signes de l'autisme peuvent appuyer euh, sur le risque et sur le maintien ou le développement d'un trouble dépressif ou d'anxiété aussi, par exemple. Hop Un petit témoignage. Un témoignage plutôt. Un témoignage d'une personne que j'ai re, retrouvée dans euh, un endroit que je, je vous cite tout à l'heure. Je ne l'ai pas mis là, je ne sais pas pourquoi, c'est une erreur de ma part. Personne qui dit que le burn-out autistique est un état de fatigue physique et mentale, un stress accru et une capacité réduite à gérer les compétences de vie quotidienne, les stimuli sensoriels et ou les interactions sociales qui vient d'années. Où l'on a été énormément surchargé par l'effort d'essayer de répondre aux exigences qui ne correspondent pas à nos besoins. Et une autre personne de dire avoir toutes euh, vos ressources internes épuisées, toutes mesures, et, et se retrouver sans équipe de nettoyage. Je peux expliquer euh, la métaphore qui est faite par cette personne sans souci. Si ça peut être compliqué, vous me le direz dans le chat, que je n'ai pas encore sous les yeux, mais je le mettrai juste après. Alors, le camouflage, okay, euh, c'est important d'en avoir, euh, disons, au moins intellectuellement, que ce soit pour les cliniciens, les personnes concernées, euh, les personnes euh, qui ont un proche concerné, parce que le camouflage va être un fort facteur de risque de développer un trouble dépressif euh, et ou un burn-out autistique. Donc l'idée c'est que le camouflage, c'est masquer les traits liées à l'autisme, en imitant les autres, par exemple, dans les interactions sociales notamment, de trouver des stratégies compensatoires pour se conformer aux attendus sociaux. Au cours de, là, des cinq dernières années, les chercheurs qui ont documenté à ce sujet-là euh, indiquent que les personnes avec autisme sont parfois, voire souvent en mesure consciemment de supprimer certains comportements, par exemple, de, de stimulation, de, de stimming en public, d pour autant qu'elles aient pu en prendre conscience, ou d'apprendre délibér délibérément à utiliser certains gestes dans des interactions sociales. Euh, une personne avec autisme a décrit ça comme, je j'ouvre les guillemets, « faire de mon mieux normalement », fermer les guillemets, et je vous livre ce, ce, ouais, cette phrase que j'ai lue, du, issue d'une personne avec autisme, je la trouve parlante et... Euh, assez euh, bien représentative de ce que j'ai pu lire et entendre de personnes avec autisme. Alors, je vais prendre je vais reprendre un tac tac tac. Je vais venir sur le chat et en attendant que j'aille sur le chat, je vais vous proposer ouais, cette Diapola. Alors, le chat. Tac. Alors, euh, au hasard, hein, je ne vais pas tout... Kathleen, les personnes concernées, euh, le burn-out autistique, j'ai l'impression qu'on s'en sort difficilement car les causes sont difficilement écartables, surtout si on vit en famille avec un enfant de TSA. Ce type le de burn-out dure... des années et que l'on ne s'en sort pas indemne. Est-ce juste bah, Je pense que, euh, Kathleen, c'est votre impression que je ne pourrais pas juger juste ou pas juste. En tout cas, si c'est votre ressenti, qui, à mon sens, ne se juge pas, euh, je ne peux que entendre euh, et, et et oui, enfin, vous croire dans, dans la souffrance que, que vous rapportez. Hein. Là, y a... moi, je n'ai pas d'avis sur la, la souffrance que, que vous rapportez ou que vous ressentez vis-à-vis d'une autre personne. Mais par contre, au niveau de la revue de littérature, effectivement, déjà, la dépression euh, chez des personnes sans autisme, c'est euh, une, une maladie pour laquelle, avec un diagnostic tardif, des stratégies thérapeutiques peu adaptées, il est difficile de s'en sortir. Okay. Et quand on rajoute hein, cette condition d'autisme euh, avec la dépression et toutes ces intrications comme on les a vues, à mon sens, cliniquement, oui, c'est plus dur encore de parvenir à des thérapeutiques, des thérapies, des cliniciens qui s'y connaissent. Et tout ce temps-là à passer à chercher les bonnes personnes va contribuer à maintenir, hein, euh, ou en tout cas va être défavorable pour la personne concernée. Et on va voir juste après, là, les. Euh, la, les possibilités thérapeutiques qui ont été, alors non médicamenteuses hein, je rappelle en tout cas avec moi, euh, les possibilités thérapeutiques et si elles ont été euh, évaluées en, avec les preuves ou pas hum, je vais prendre un autre commentaire au hasard Alexandra je vois que tu euh, <laughs> que tu gères le chat, je te remercie en tout cas euh, n'hésite pas à, à faire à ton rythme et si à un moment donné tu, tu en as marre, il n'y a pas de souci hein, je... Alors, Joël, les rechutes sont assez fréquentes et je les trouve de plus en plus difficiles à gérer. Il en ressort de plus en plus épuisé. C'est quelque chose que j'entends aussi dans mes consultations. On retrouve aussi des éléments sur les rechutes, l'aspect exponentiel chez certaines personnes, l'intensité qui est de plus en plus forte chez certaines personnes qui est retrouvée aussi. Comme on l'a dit dès le début, en général, ce qui est compliqué, c'est de trouver les personnes formées pour euh, la dépression, qui connaissent aussi l'autisme, c'est vraiment tout l'enjeu euh, pour les personnes concernées et leurs proches. Euh, Hélène, je vois. Oui, merci d'expliquer sans équipe de nettoyage. <laughs> Alors, euh, en fait, l'idée, et je vais... je vais me remettre la slide exacte sous les yeux, et ensuite je passerai au, aux stratégies thérapeutiques et, et l'évaluation de leur efficacité avoir toutes vos ressources internes épuisées au-delà de toute mesure et se retrouver sans équipe de nettoyage. Moi, ce que j'en comprends en tout cas, mais encore une je, je peux me tromper, hein, c'est que euh, la personne avec autisme va mettre en place tout un tas de stratégies de compensation comme le camouflage. Okay et à un moment donné, ces stratégies qui sont d'ailleurs plus ou moins efficaces hein, et qui du coup ne vont pas empêcher de, euh, de se confronter à des choses négatives. Au bout d'un moment, l'ensemble euh, de toutes ces choses négatives vont entraîner un épuisement physique, mental, pouvoir même euh, générer des comorbidités. Hein. Et une fois que la personne en est là, ou tend vers euh, ces épuisements des ressources, euh, parce qu'on met en œuvre énormément de choses pour compenser, pour essayer de se conformer aux attendus, au bout d'un moment, on est à bout, on n'en peut plus. Hein, on peut parler de, de burn-out autistique ou tendre vers un burn-out autistique. Et tout ça sans qu'il euh, y ait en fait de solutions euh, assez précises, assez claires et assez rapidement efficaces, ou de filets de sécurité, pour euh, bah, ressortir la tête de l'eau. Mais je fais encore une métaphore, j'en suis désolée. Euh, je vais changer mon, <laughs> ma phrase. Euh, sans avoir de stratégie de solution efficace, et, voire même rapidement efficace, pour limiter le, les impacts du burn-out, les impacts de, euh, des compensations par exemple, et finalement ça pourrait être de… J'ai fait plein d'efforts, ça a vraiment pas été la majeure partie du temps efficace en plus, et quand j'en peux plus, quand je vais bientôt baisser les bras, quand j'en ai, ai marre, quand je ne peux plus survivre, parce que j'ai épuisé mes possibilités de compensation, de stratégie pour essayer de me conformer, eh ben… Je, je suis toujours seule par, avec les problèmes que j'ai, les difficultés que j'ai. Je suis toujours seule. Il n'y a pas forcément une autre personne pour m'aider à traverser ça. Et moi-même, je n'ai plus les ressources pour continuer à surmonter euh, les attendus sociaux auxquels je suis confrontée et pour surmonter bah, tout ce qui a été généré par euh, les stratégies, les compensations mises en place. Alors, je vais vous proposer une, une analyse fonctionnelle, un exemple, hein, bien sûr, toujours la même chose, c'est ça dépend d'une personne à une autre, là c'est un, une situation générale, avec une personne qui camoufle, avec une personne à côté qui camoufle. Le camouflage demande des efforts cognitifs importants, hein, un peu ce système de checklist, à quoi il faut penser quand je vais rencontrer, euh, par exemple, cette nouvelle personne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois poser mon corps, par exemple. Tout ça qui va élever le niveau de stress, d'anxiété et de dépression, qui va favoriser un épuisement, qui va favoriser une surcharge, par exemple sociale, et qui va contribuer à un effondrement. Et je vous propose une citation d'une chercheuse qui s'appelle, euh, je crois qu'on prononce Kaija Igelstorm, qui rapporte, enfin qui dit que le camouflage, selon elle, se développe souvent. Comme une stratégie d'adaptation naturelle pour naviguer dans la réalité. Et je rappelle, ça hein, parce que c'est naturel ou parce que autrui ne se rend pas compte des stratégies mises en place par les personnes avec autisme, mais par les femmes avec autisme, que ça n'a pas de coût de retentissement pour la personne elle-même. Passons à cette question, question sur euh, comment prévenir, euh, ou tenter de prévenir le burn-out euh, et ou la dépression. Le burn-out autistique et ou la dépression. Qu'est-ce que dit la littérature Alors, une des stratégies clés pour prévenir que ce soit le burn-out en général, donc professionnel, mais aussi le burn-out euh, a priori autistique, c'est vraiment la connaissance de soi. Alors, ce n'est pas suffisant. Soyons très clairs dès le début, ce n'est pas suffisant. Mais la connaissance de soi, la connaissance euh, de l'autisme, la connaissance de bah, la dépression, si c'est de ça qu'on souffre aussi, et ou du burn-out autistique, en tout cas, la connaissance de ces mécanismes-là va être stratégique, va être vraiment euh, quelque chose de puissant pour prévenir euh, les effondrements, des récidives de dépression, par exemple. Les personnes avec autisme peuvent... Euh, pas toutes, hein, si la, la personne souhaite, bien sûr, apprendre au fil du temps quelles sont les situations qui sont les plus susceptibles de déclencher un épuisement euh, chez elle, professionnelle ou non. On peut également surveiller ces signes ensuite, qui vont être des indicateurs qu'on se rapproche ou qu'on tend hein, vers un burn-out autistique et/ou une dépression. Certaines personnes avec autisme vont décrire un sentiment de déconnexion de leur corps ou d'une vision en tunnel dans, quand elles sont dans des états proches ou d'effondrement. Donc une forte prise de conscience okay, peut permettre de développer des stratégies pour éviter ces effondrements. Comme exemple, hein, quitter plutôt un événement social. Ça implique beaucoup d'autres choses, hein, parce qu'il faut pouvoir se le permettre, être en accord avec soi-même pour euh, se dire je vais quitter cette soirée sans ou avec peu de culpabilisation, par exemple, de culpabilité, oula, par exemple. Planifier une journée de récup quand on sent que on tend vers un effondrement, c'est un autre exemple. Les personnes avec autisme pourraient aussi, par exemple, être légitimes de demander des aménagements qui, permettent, qui permettraient d'éviter plus facilement euh, l'effondrement, comme euh, au travail, la ça... possibilité de plus de télétravail, ça dépend des gens, hein, ou au contraire d'être plus sur site, ou alors d'avoir euh, un bureau euh, bien spécifique, ou, ou, très variable, c'est toujours le ⁇ ça dépend ⁇ Et par rapport, je crois, au commentaire d'une des personnes, mais je ne me rappelle plus le, le prénom, désolé, cette notion de surmonter la dépression, surmonter le burn-out autistique chez des personnes avec autisme c'est que la moitié de la bataille, d'accord En tout cas, c'est pas quelque chose de facile, je pense que les personnes concernées ici pourront en témoigner sans, sans souci, malheureusement. Par contre, je prends le temps de le dire et de le répéter, parce que je pense personnellement que euh, la... les personnes avec autisme, et encore plus les femmes, sont peu, peuvent être peu considérées, ou en tout cas peuvent être aidées que sur une partie de leurs difficultés, et la considération de la dépression et du burn-out autistique est, je pense, encore trop faible, en tout cas de mon, ma propre expérience, euh, et là je ne, je ne dis pas que, tout, qu fait, que tous les cliniciens nous faisons de la merde, hein, c'est pas l'idée, mais à mon sens c'est insuffisant. Mais ce n'est que mon propre avis qui n'engage que moi. Alors, si je continue par rapport à ça, la plupart euh, des cliniciens qui euh, font de la psychothérapie avec les personnes avec autisme et qui souffrent de dépression et de burn-out autistique, vont plutôt se tourner vers des psychothérapies adaptées comme les TCC. Dans les TCC, euh, les, souvent, les psychothérapeutes vont travailler avec la personne pour ce qu'on appelle assouplir certains schémas de pensée invalidants, par exemple. Et les chercheurs, par contre, ne disposent pas encore de données sur l'efficacité de la TCC pour la dépression dans l'autisme. Je dis pour la dépression parce que pour l'instant, le burn-out autistique, ce n'est pas, pour l'instant, euh, à ma connaissance, dans les recherches, euh, avec la définition qu'on a vue juste avant, pour l'instant, dans les recherches, il y a les mots clés autisme et dépression, et c'est pour ça que je précise que les chercheurs ne disposent pas encore de données sur l'efficacité de la TCC pour la dépression dans l'autisme. Euh, la méthode euh, qui a été étudiée, en revanche, c'est celle de la TCC pour l'anxiété chez les personnes avec autisme, et selon certains auteurs, comme Gotham, qui estiment que ça pourrait être adapté pour la dépression. Par contre, malheureusement, on n'a pas encore de référence hein, scientifique, d'appui solide pour euh, aider les personnes avec autisme. Il n'y a pas de choses validées, de choses où il y a des, un niveau de preuve euh, important. Par contre, le même auteur, enfin hein, sa collaboratrice, indique que. Ils ne voit pas de raison d'attendre et ils pensent qu'il est peu probable que la TCC nuise réellement au traitement de la dépression chez les personnes avec autisme. Je vous rapporte ce que, dit, euh, ce que disent certains auteurs dans la littérature. Bien sûr, on peut euh, en discuter. Il y a certains chercheurs qui explorent des moyens de modifier les euh, protocoles de TCC, thérapie cognitive et comportementale. Je m'excuse euh, si je n'avais pas précisé ça avant pour traiter spécifiquement la dépression chez les personnes avec autisme. Et il y a des auteurs qui indiquent que euh, les cliniciens pourraient, pour les personnes avec autisme, suivre une routine, une structure bien prévisible, okay, intégrer les forces et les talents de la personne avec autisme, répéter souvent les, les concepts d'apprentissage et rendre les concepts de TCC les plus abstraits en plus concrets, par exemple via des aides visuelles ou des feuilles de travail, selon. Les cliniciens en TCC pourraient aussi également mettre davantage l'accent sur la, la reconnaissance des émotions, le cas échéant. Okay Donc c'est des idées, de stratégies, d'adaptation des protocoles de TCC lorsqu'on est avec des personnes euh, avec autisme et, et dépression. L'intégration d'une formation à la pleine conscience, hein, et c'est le dernier point de la slide MBT l'intégration d'une formation à la pleine conscience peut aider les cliniciens euh, ben, pardon les, les personnes avec autisme à améliorer leur conscience euh, des, des émotions notamment on est vraiment encore et toujours dans le cas par cas et le ça dépend par exemple euh, une personne avec TSA et qui va tendre vers un burn out autistique notamment parce que contexte professionnel qui est un facteur de risque très, très compliqué que faire concrètement que faire bah ça dépend de la personne de ce qui euh, de comment l'épuisement professionnel se manifeste comment il survient qu'est-ce qui va euh, le maintenir dans le temps donc une première étape pourrait consister euh, pour les personnes avec euh, avec autisme par exemple ça dépend des situations j'insiste hein, à se retirer temporairement de la situation qui déclenche ou qui maintient le burn-out autistique, par exemple. Ça pourrait aussi être euh, aussi simple que, entre guillemets, que de euh, retourner, je sais pas moi, dans sa chambre d'hôtel si on est dans un congrès, pour se reposer seul après une journée d'interaction sociale. D'accord Imprévisible. Par exemple, dans, lors d'un congrès, parfois les gens viennent nous parler, <laughs> malheureusement pour certains, et donc ça fait des interactions sociales peu prévisibles. Ce qui peut renforcer, remettre une couche sur bah, cette jauge hein, euh, qui tend vers le burn-out autistique. Et du coup, après une journée dans une, dans une conférence, retourner, se poser dans sa chambre okay, pour essayer de récupérer un minima. En tout cas, se le permettre, par exemple. D'autres personnes avec autisme euh, et, voilà, peuvent avoir besoin de plus de temps pour récupérer. Il y a certaines personnes avec autisme qui décrivent un, un, un épuisement en lien avec le, le boulot, si grave qu'il y a des effets qui persistent pendant des années. L'épuisement, les effondrements vont survenir plus fréquemment et être plus difficiles à récupérer dans la mesure où les personnes avancent en âge. Oui, C'est le cas de manière générale chez la, dans la population, mais il y a vraiment ce principe de facteur de risque lié à la dépression et leur récurrence et leur intensité mais aussi avec ce facteur de risque qui est le, le trouble du spectre de l'autisme. Il est important, ultra important de prendre en compte hein, au niveau des cliniciens notamment la variabilité des, des êtres humains et cette variabilité est vraiment présente hein, aussi chez les personnes avec autisme ou n'importe quel trouble en santé mentale, voire même plus présente et peut-être même moins compréhensible. D'accord euh, si la, le, le clinicien n'est pas assez fin, assez au assez, euh, fait, assez expert ou assez tendre vers l'expertise de l'autisme. Donc, variabilité, approche holistique, son de rigueur. Un petit point sur euh, MBT, thérapie basée sur la pleine conscience, si vous voulez bien. Elle peut, cette thérapie, s'avérer être euh, une technique thérapeutique utile pour réduire euh, les signes, l'impact de la dépression chez des personnes avec TSA. C'est une méthode qui encourage les personnes à identifier les sentiments ou les pensées dans le moment présent et à les accepter euh, sans analyse ni discussion. C'est une approche qui pourrait bien convenir à certaines personnes qui présentent... Euh, des, euh, des particularités, des difficultés, des dysfonctionnements de la théorie de l'esprit et des dysfonctionnements ou des difficultés pour ce qui est de la communication. Il y a des résultats d'études qui ont montré que la, une réduction de la dépression et de la, des ruminations, hein, avec euh, la thérapie euh, basée sur la pleine conscience, une réduction de la dépression, de la rumination et une augmentation des affects positifs dans le groupe en recherche. Par rapport au groupe contrôle. Selon les auteurs, ces résultats-là vont à confirmer l'importance d'examiner, donc de faire plus de recherches pour, euh, à cette technique-là de thérapie basée sur la pleine conscience en tant que possibilité thérapeutique, ça dépend hein, toujours, dans le traitement, dans l'accompagnement, dans l'aide de la dépression chez les personnes avec autisme. Au niveau des TCC, vous me direz si euh, vous voulez que je, que, je, que je détaille plus, mais en tout cas, je vous ai mis au moins une slide euh, à ce sujet-là, puisque le concept de, euh, notamment pour les cliniciens, hein, de restructuration cognitive et la généralisation qu'on essaye euh, de, de mettre en œuvre en, avec la personne qui consulte, peuvent être des limites possibles euh, lorsque les personnes ont aussi de l'autisme. Mmh. Ça, vous pourrez le voir. Et pour finir j'aimerais vous présenter euh, le programme de Atwood et Garnett, qui, euh, bien qu'il n'y a pas encore à ma connaissance euh, d'études solides euh, attestant d'une efficacité, okay, je pourrais vous donner des détails à ce sujet-là, euh, ont mis en place un programme basé euh, sur les thérapies cognitives et comportementales, et ce programme va avoir pour objectif vraiment d'aider à comprendre la dépression, et à la surmonter de façon progressive. C'est vraiment un programme spécifiquement conçu euh, avec et pour les personnes avec autisme. Donc, euh, avec les objectifs du programme, les auteurs partent du postulat que s'il arrive à tout le monde de se sentir triste à un moment ou à un autre, la dépression est une toute autre histoire. Il s'agit d'une profonde tristesse, selon les auteurs, dont il est difficile de se libérer. Et la finalité première de ce programme, et d'aider à comprendre la dépression et à la surmonter. Il a été conçu ce programme pour aider à retrouver de l'énergie, à reprendre goût à la vie et à s'accepter tel qu'on est. Dans ce programme-là, qui est conçu euh, en, dix, pardon, en dix étapes, ces dix étapes sont les suivantes. Dans la première séance, on va travailler avec la personne ou le groupe de personnes la qualité et les capacités de chacun. On va présenter le programme et on va établir les règles, euh, les règles du programme, les règles de, de, de cohésion, de travail ensemble. La deuxième session, on va questionner, on va essayer de mieux comprendre ce qu'est la dépression. Puis, on propose, on teste, on essaye, on, on met en place des outils pour lutter contre la dépression. Des outils ensuite d'art et de plaisir. Il y a trois séances qui sont dédiées aux outils de réflexion. Une autre séance de détente, d'aide et aux. C'est inutile, je trouve ça très intéressant. La mise en place d'un plan de sécurité. Une avant-dernière séance sur les questions liées à l'avenir de chacun. Et ensuite, il y a une séance qui est dite de rappel, d'accord, à distance, euh, pour justement refaire un point euh, s'il y a des questions qui sont survenues au cours des. Euh, de, des temps, des quatre semaines entre la séance 10 sur l'avenir et la séance de rappel il y a quatre semaines, d'accord Où on demande comment ils ont, les personnes ont utilisé les stratégies, de faire des commentaires, de savoir s'ils aimeraient un rappel sur l'un ou l'autre des outils ou des stratégies enseignées lors des sessions précédentes, ok Et euh, le reste de cette session va être traité comme un événement, enfin, va être, va être dédié à un événement plutôt social, d'accord De rencontre entre, entre personnes d'un groupe, euh, d'un même groupe. Donc, ça, c'est le programme de Garnett et Atwood euh, que j'apprécie personnellement beaucoup. Et euh, bah, à vous de me dire si peut-être vous le connaissez ou si vous l'avez déjà euh, expérimenté, si vous ne le connaissez pas ou si vous l'avez si expérimenté. Est-ce que, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous souhaitez partager ce que vous en avez euh, ressorti. Je vais finir euh, ce, cette euh, intervention, ce webinaire, avec euh, la suite du cache de Molly qu'on a vu au début qui explique que me laisser agir plus autiste a été absolument libérateur je me sens suffisamment à l'aise avec moi-même pour agir de la manière qui me convient le mieux j'embrasse mon écolalie et maintenant je me sens libre de chanter et de répéter des phrases qui me semblent agréables je claque beaucoup plus maintenant à peu près dans chaque conversation et plus je me sens mal à l'aise plus je bats, donc euh, des bras, euh, fort. Mais je ne me sens plus gênée à ce sujet. En fait, je pense que c'est plutôt attachant. J'ai des jouets sensoriels partout, ou des objets sensoriels, et je n'ai pas peur de les utiliser. Si quelqu'un veut regarder, laissez-le. Il m'a fallu 25 longues années pour être aussi à l'aise avec l'affichage de mon autisme, et j'ai encore du chemin à faire. Mais je le ferai sans mon masque et les mains battantes. Pour terminer, pour vraiment terminer, un dernier point de réflexion. À mon sens, être une femme ne devrait pas être un obstacle à la reconnaissance et au soutien adapté, opportun, euh, en lien avec l'autisme. On ne devrait pas avoir besoin de euh, changer les critères de diagnostic autant que on est censé apprendre à les appliquer d'une manière sensible au phénotype. Par exemple, ce critère B3 dans le DSM qui décrit que la personne a des intérêts fixes et restreints. Pour ce critère-là, trop souvent les cliniciens qui participent au diagnostic s'attendent à ce que la personne agisse et descende d'intérêts avec une vision stéréotypée d'intérêts masculins, comme les trains ou les feux de circulation. Ce qu'on aimerait voir, c'est des cliniciens qui pensent plus largement. Par exemple, il y a de nombreuses filles avec autisme qui sont obsédées par des activités sociales, comme les études de psycho, comme l'anthropologie, ou par des sujets très populaires, comme les animaux ou la mode. À chaque fois euh, qu regarde le, le, que je regarde le DSM, les critères, je suis assez euh, frappée par les déclarations relatives au genre. Ces questions de genre, pour l'instant, résistent à la recherche, même si je sais que ça avance et qu'il y a vraiment des choses qui sortent actuellement, notamment. Il y a quelques changements qui pourraient être justifiés pour ajouter euh, plus de poids à des idées qui sont actuellement posées avec circonspection, par contre. Les filles peuvent être oubliées parce que... Les médecins, les cliniciens pensent que l'autisme affecte principalement les garçons. Par contre, est-ce que euh, le fait de changer les critères diagnostiques pour détecter plus les filles, changer ces critères-là diagnostiques pour détecter plus les filles, plus de filles qui présentent des caractéristiques euh, type de l'autisme, n'est pas une tâche simple. C'est une question vraiment complexe. Si on change les critères, est-ce que ça change la chose en elle-même Dans sa forme actuelle, même dans sa forme actuelle, euh, le DSM pourrait être compatible avec ses objectifs de, euh, de corriger les biais de diagnostic contre les, qui sont à l'encontre des filles et des femmes. C'est marqué hein, dans le DSM, les limites de celui-ci. Et donc, c'est toujours ces efforts continus que font les chercheurs et qu'ils continuent de faire, les membres de la communauté de l'autisme, qui vont aider à construire, et déconstruire aussi certaines images, mais en tout cas à construire, je pense, une image euh, factuelle du phénotype de l'autisme au féminin. Et je pense que euh, nous assurer, contribuer à nous assurer à, à ce que des efforts concertés soient faits pour partager. Ces expressions comportementales euh, variables, tout en restant dans un spectre de l'autisme, seraient fort profitable pour améliorer la qualité de vie euh, des personnes avec autisme. Euh, et aujourd'hui, on parle des filles et des femmes, donc pour aussi améliorer la qualité de vie des filles et des femmes avec suspicion ou avec autisme. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir suivi cette, euh, cette conférence. Je vais prendre un peu de temps pour euh, certaines questions. Je suis navrée, mais je n'aurai pas tout le temps. De traiter, mais je vais prendre un peu de temps pour euh, traiter certaines questions. N'hésitez pas à les copier-coller à partir de maintenant si vous n'avez pas eu de réponse ou s'il y a un commentaire que vous souhaitez vraiment euh, que je lise, sans forcément que ce soit une question. En tout cas, ce qu'on appelle en thérapie comportementale, un schéma vraiment conceptuel qui organise, explique du sens à la clinique euh, je crois vraiment en cette approche holistique et je pense qu'elle est, euh, elle va avec la démarche diagnostique. C'est pas du tout opposé, au bien au contraire. Et on envisage euh, dans cette approche holistique avec la personne où et comment agir, mais aussi comment et pourquoi. Et comment et pourquoi il serait intéressant d'agir à tel ou tel niveau. C'est vraiment un travail d'équipe. Ces conceptualisations et vous en avez vu certaines. Hein, C'était les schémas avec des flèches orange là. Où on voyait l'analyse le, le, fonctionnelle, ces conceptualisations permettent vraiment d'y voir plus clair, parfois de comprendre, de savoir d'où on part et d'envisager où on va, par quel chemin et avec quels moyens. On peut parler de parcours, où on peut prendre aussi le temps de définir les difficultés, les problèmes, avant d'envisager de les résoudre. Donc je suis vraiment très favorable euh, à l'intégration de cette approche holistique dans le cadre des démarches diagnostiques et après le diagnostic. Je reprends vos commentaires. Et très bonne fin de journée à celles et ceux qui partent. Merci d'avoir été là. De manière générale, pour les personnes qui euh, suggèrent d'autres approches euh, thérapeutiques, euh, comme je vous disais, il y a peu de, de programmes ou de preuves sur des outils efficaces dans le cadre de l'autisme tout ça pour la dépression notamment. Par contre, euh, l'absence de preuves scientifiques d'efficacité ne veut pas dire que certaines approches sont inutiles et, que, et ne pourraient pas marcher pour vous. Premièrement, par contre. Vraiment attention, parce que euh, bien qu'il y en ait qui peuvent euh, ne pas être inutiles et qui peuvent marcher pour vous, attention à ce qui va être euh, des approches qui pourraient vous desservir, qui euh, seraient même de l'ordre du, du charlatanisme. C'est ce que je voulais ajouter sur les questions, hein. les questions sur les différents types de thérapies. Merci à vous tous, vraiment merci. Je lis vos commentaires. Hein. Est-ce qu'il arrive que ce soit permanent les manifestations séquelles venant avec le burn-out autistique Est-il possible de ne pas récupérer ses facultés par la suite Tout est possible, j'ai envie de dire. Ensuite, pour être plus précis, je pense qu'il faudrait aller analyser précisément les facteurs de maintien, de déclenchement, justement, de ces manifestations, des séquelles, pour mieux comprendre. Je pense que ça part toujours de là. Pour être spécifique et centré sur la personne. Il y a un milliard de possibilités qui pourraient expliquer que euh, la personne ne récupère pas certaines de ses facultés euh, à la suite de un ou plusieurs burn-out autistiques. Où trouver cette approche holistique Alors, euh, si vous êtes un professionnel, euh, je vous renvoie sur, euh, sur les bouquins de TCC euh, avec les auteurs comme Jung, Kanji. Euh, et toute la toute la clique et je... ensuite euh, à, l est, euh, à Yes avec son bouquin sur les approches holistiques et pour les personnes qui seraient euh, qui souhaiteraient s'engager ou chercher à mieux comprendre ce, euh, les approches holistiques euh, bah, je peux vous renvoyer au même bouquin hein, d'ailleurs euh, et après si vous cherchez un thérapeute en particulier euh, tournez-vous vers des professionnels qui sont euh, psychothérapeutes attestés par l'ARS, euh, en TCC, en thérapie cognitive et comportementale. Et n'hésitez pas à prendre contact, par exemple, par mail, pour leur demander la façon dont ils travaillent euh, et s'ils intègrent l'approche holistique dans, leur, dans leurs accompagnements. La bibliographie, je vous l'envoie par mail dans la, dans la fin de journée. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous. Je suis navrée d'avoir dépassé. Euh, il y aura le replay, bien sûr. Alors, forcément, dans les puis, minutes qui suivent, peut-être probablement plus ce soir ou ce soir tard, le replay, la bibliographie, le slide, d'accord Et puis le lien, si vous souhaitez euh, aller approfondir fort euh, certaines des notions qu'on a vues aujourd'hui. Donc, c'est jeudi 2 juin à 15h, où là, on va rester ensemble 3h. <laughs> J'aurai le temps d'être avec vous. Où on va euh, aller en profondeur, notamment sur la question du repérage des filles et des femmes avec TSA, comme l'a mentionné euh, une personne dans le chat, euh, en s'appuyant sur les guidelines qui sont sortis récemment, qui restent cliniques mais qui sont très intéressantes quand même, je trouve. Tout est critiquable, d'accord, mais je pense aussi qu'il y a des choses on peut, euh, dont on peut se saisir, et donc on va aller euh, Chercher à savoir comment les cliniciens peuvent mieux repérer les filles et les femmes avec TSA à l'appui des guidelines cliniques qui sont sortis à ce sujet-là. Euh, on va les décrypter. Bien sûr, on va aussi reprendre euh, cette question de, de thérapeutique. Ce webinaire à des personnes qui seraient concernées, des personnes qui auraient un rôle euh, Le webinaire n'est pas fermé euh, uniquement aux cliniciens. Il est, Il est euh, et... Et Toutes les questions sont les sont les bienvenues. Je vous remercie vraiment très très fort pour ce feedback. Je vous avoue que j'avais une petite euh, appréhension <laughs> à, à ce webinaire. Euh, je me ferai une petite analyse fonctionnelle toute seule pour mieux comprendre pourquoi j'avais de l'appréhension. Alors pourtant c'est un sujet que qui me qui me passionne et euh, que vraiment j'ai à cœur de creuser à la fois parce que j'adore mieux comprendre les choses, mais aussi pour euh, le nombre important de personnes avec autisme filles et femmes qui consultent au cabinet. Euh, donc voilà, passionnée, mais petite <laughs> petite appréhension avant de commencer tout au long. Vos feedbacks me font très plaisir, je vous remercie. Euh, à ce soir, vous avez mon mail, peut-être à jeudi. Et euh, sinon, sur les réseaux sociaux, je suis assez facile à trouver. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux pour suivre les, les différentes informations que je donne au sujet de la revue de littérature. Parfois, il y a des petits chats, c'est toujours... Euh, c'est toujours intéressant. <laughs> Bonne journée à tous.